un esclave, c'est quelqu'un qui est maltraité et qui travaille pour celui qui le maltraite. Être esclave, c'est être manipulé. Que, par exemple, notre maître, eh ben, il dit, par exemple, va me chercher un verre d'eau, et ben, après, on est obligé de le faire. Pour moi, un esclave, c'est quelqu'un qui rend des services aux blancs. Et c'est des personnes qui sont noires qui rendent des services aux blancs. Et on les frappe pour qu'ils rendent les services. Il y a des personnes dans tout, les noirs, les blancs. Il y a des personnes qui se croient en haut de tout le monde et ils croient qu'ils sont en haut. Donc, ils vont chercher dans les pays pauvres, ceux qui sont pas très riches parce qu'eux, ils sont plus hauts. Donc, ils vont se dire c'est mieux d'aller voir chez les pauvres. Comme ça, on les paye rien du tout, nous ça nous ruine pas, mais eux ils ont besoin d'argent au moins pour manger, pour se nourrir, donc on va leur donner le moins possible. Quand Christophe Colomb il est allé au Brésil alors qu'il croyait qu'il allait en Inde, il était gentil avant, mais après il a tué les personnes et après il n'y avait plus de main d'œuvre pour travailler là-bas. Alors ils ont pris les Africains qui étaient plus pauvres que les Blancs. Alors qu'ils vont te donner de la nourriture, mais tu vas gagner rien du tout. Alors ça sert à rien. Alors ils sont arrivés et après ils les ont pris de force pour les ramener, mais ils ont quand même tenté de s'échapper, mais ils ont pas réussi ici. Les chefs de village, ils ont travaillé pour devenir chefs de village. Et eux, s'ils vendent des personnes, par exemple les hommes, les enfants et les femmes, s'ils les vendent, lui, ça lui rapporte. Lui, c'est intéressant pour lui. Donc il va pas se gêner. Quand ils sont arrivés, nous étions endormis. Le village était calme. Puis ce fut des explosions de tonnerre, de feu, de cris de détresse, des pleurs de douleur. Des étrangers à notre village nous ont arrachés de nos cases. Ils ont tout brûlé, volé notre bétail et toutes nos réserves à grains. Ils n'arrêtaient pas d'ouvrir nos bouches de force, de tirer sur nos dents, d'écarquiller nos yeux, de palper nos ventres, nos bras et nos jambes. Et nous avons vite compris que c'était pour nous vendre au plus offrant des négriers. Ils échangent contre des hommes et des femmes, et des enfants aussi, du tissu, des graines, tout ça. Ils échangent ça contre des hommes, des femmes et des enfants. Oui. Ensuite, les hommes, les enfants, pendant cet instant, ils sont vendus. Ensuite, ils vont dans des maisons où il y a des chaînes, où ils sont accrochés. Les enfants sont avec les enfants, les mamans sont avec les mamans, les papas sont avec les papas. Pour la vente aux esclaves, je pense que ça se fait parce que peut-être les autres esclaves, ils veulent pas aller dans cette famille, alors je trouve que ça se passe. La séparation des familles, ça te choque beaucoup. Voilà, et même si les esclaves, ils veulent pas aller dans cette famille ou dans ce royaume, je trouve que ça se fait. Là, ils nous ont parqués dans une grande maison en dur, couleur terre. Ils ont séparé les hommes des femmes, ils ont arraché aux mères leurs enfants, afin qu'elles obéissent. Et nous sommes encore restés enchaînés, pendant des jours et des nuits. La mère, on n'a pas eu le temps d'en profiter, car du fond des cales, on n'a rien pu voir. Les chaînes qu'ils nous avaient mis aux mains et aux pieds nous empêchaient de nous lever, alors on est resté
couchés, là durant toute la traversée. Au petit matin, ils nous ont liés les mains et attachés les uns aux autres par la taille. À coups de pied, ils nous ont forcés à marcher. On a marché des jours sans comprendre ce qui nous arrivait. On voit un blanc qui a attaché un noir avec des ficelles et il lui a mis un bâton entre ses jambes, dans ses jambes. Et on voit un autre noir qui a attaché un arbre. Il y en a un blanc, tout à fait. Qui se fait fouetter par d'autres noirs. C'est bizarre qu'il y ait des noirs qui fouettent un autre de leur peuple. Mais c'est bizarre qu'il y ait des gens d'un peuple qui fouettent un autre de leur peuple. Oui. Aveuglés par le pouvoir et l'inhumanité, ces maîtres du nouveau monde ne voyaient en nous que des bêtes de somme, uniquement là pour les enrichir. Des bêtes qu'ils pouvaient vendre, acheter, voire supprimer, selon leur bon plaisir. La vente aux esclaves, c'est choquant parce que tu... C'est choquant. C'est choquant d'acheter une personne, quoi. C'est pas normal. C'est écœurant, quoi. C'est choquant. C'est de l'inégalité. C'est pas égal. C'est de l'inégalité. Boulfatenea, dit kumum sabamga, dahya omga satyosan, omga satou. Bulfateneya, dit kumum sabamga, dahya omga satyosan, omga satou. On a commencé à en parler en 1794, mais en France ça a été fini vraiment en 1848. On parle de l'esclavage maintenant dans les écoles et tout pour ne pas faire la même chose. Bon, maintenant on le refait, on pourrait plus le refaire. Mais c'est pour ne pas être raciste, pour que ça renaît pas, le racisme ne renaisse pas. Raconter ça à l'école, c'est bien pour savoir qu'est-ce que nos ancêtres c'était et savoir ce qu'ils faisaient, voir comment ils étaient traités et voir comment les choses se déroulaient à cette époque-là. Ça sert aussi à pour ceux qui sont de l'origine où qu'on travaille. Ça sert à savoir des choses sur son pays. Ça sert aussi à savoir ce qui s'est passé avant, ce qui se passe maintenant aussi dans son pays aussi. Et ça sert aussi à ceux qui sont jamais allés dans leur pays et de savoir comment ça se passait avant et comment on faisait travailler, comment ils travaillaient. Moi, je dis que l'esclavage, ça existe toujours parce que on voit qu'en Afrique, c'est pas toujours pareil. Mais c'est pas la même forme d'esclavage, mais il y a toujours de l'esclavage en Afrique ou aux Antilles. C'est pas la même chose qu'avant. C'est une autre forme. C'est quand les enfants travaillent pour faire des ballons en cuir. Au lieu de travailler les ballons en cuir, ils devaient aller à l'école. Ils vont pas à l'école. Il y a aussi les enfants qui ramassent les choses dans les montées de poubelles. Oui. Il y a aussi quand ils travaillent, ils fabriquent les animaux pour des animaux, des voitures et tout ça. Il y a la Chine aussi. Parce que le matin, il y a des petits Chinois. Ils vont travailler à 6h du matin et le soir, ils rentrent et ils donnent l'argent à leurs parents. C'est aussi, pour revenir à la question,
s'il reste tout le temps de l'esclavage en France, oui, parce que parfois, il y en a qui font de l'exploitation. Ils exploitent des enfants, des adultes, en cachette dans leur maison. Et parfois, ils les enferment dans leur cave. Par exemple, si tu es président, tu peux ramener des ministres pour qu'ils appellent des personnes et pour leur dire l'esclavage, de donner des rendez-vous pour que les gens y viennent. Donner des rendez-vous pour que les gens y viennent et découvrir qu'est-ce que leurs ancêtres ont fait, comment ils ont été traités. Par exemple, j'inviterais des gens, par exemple des copains à moi qui ne savent pas c'est quoi l'esclavage. Si, ils savent qu'est-ce que c'est l'esclavage, mais faire une petite réunion, une petite fête pour ce que les... pour qu'est-ce que l'esclavage, parler de l'esclavage pendant toute une journée. Inviter par exemple quelqu'un qui était là-bas et qui sont venus ici parce que là-bas ça leur dérangeait tout, ils avaient des problèmes, et leur demander et leur poser des questions toute une journée ou toute une matinée. J'ai une idée. On pourrait en classe, hein, si vous êtes d'accord. Je sais pas si tout le monde est d'accord. J'ai eu l'idée qu'on pourrait faire une pièce de théâtre sur la manière de l'esclavage. Et petit à petit, on la présente, et ensuite on fait venir Franck qui la prendra en vidéo, qui est le caméraman, et il nous filmera. Blanc ingénieur, noir ingénu, au rang des seigneurs ou dépourvu de génie, grand vainqueur à l'âme de gagneur, on fait néant et menteur, tout ça dans un même corps réuni, race qui réussit, espèce peut avancer, sans histoire écrite ni récit, donc sans passé, inventeur cravaté, créateur raté, créature raté, sans grandeur à cravacher, civilisateur, sensibilisé, par train de biaisé, hectare à dévaliser, martyr, dans la moiteur désalisé, moteur, dimanche fortune réalisée, amateur de belles lettres et de poésie, frappeur de tambour avec fracas et frénésie, grand penseur encensé, petite frappe assassin, baroudeur résistant, quémandeur.